début décembre 1916, les lignes sont globalement à quelques centaines de mètres près revenues sur ce qu'elles étaient en février du début de l'année. Et quel bilan peut-on dresser de cette bataille absolument titanesque Pour donner une idée de ce que ça représente au total, parce qu'on s'imagine la bataille de Verdun comme une bataille absolument immense, alors elle l'est, mais paradoxalement, dans l'espace, ça représente assez peu de choses. Vous avez un front qui fait globalement une vingtaine de kilomètres sur une dizaine de kilomètres de profondeur. Et dans ce quadrilatère de 20 km sur 10, vont être déversés au total, alors les estimations des spécialistes varient et on n'aura jamais de chiffre exact, entre 60 et 80 millions d'obus en 10 mois. 20 km sur 10. 60 à 80 millions d'obus en 10 mois, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quelques éléments de synthèse. Contrairement à ce qu'a voulu ou à ce qu'a affirmé par la suite Falkenhayn, l'armée française n'est pas totalement éreintée, épuisée, saignée par la bataille de Verdun. Et surtout, surtout, l'armée allemande connaît des pertes à peu de choses près aussi sensibles que les pertes françaises. Perte que d'ailleurs Falkenhayn et le, le commandement de la 5e armée du Crown Prince hein, vont euh, longtemps essayer de cacher. Donc, un jeu mortellement nul, si on peut employer cette formule. L'armée allemande, à peu de choses près, a été saignée autant que l'armée française. Et puis, il y a cette interaction entre les différentes parties des fronts qui est caractéristique de l'année 1916. Où vous avez l'assaut sur Verdun mené par les Allemands, l'offensive franco-britannique conduite contre les Allemands sur la Somme, l'offensive Broussilov à l'été à l'est, et puis les Italiens qui relancent l'offensive sur Lisonzo au sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au total, les armées des empires centraux sont considérablement affaiblis. Il faut en retenir pour la suite de la guerre hein, des évolutions en termes d'emploi des matériels. Le rôle de l'artillerie va devenir de plus en plus prédominant, de plus en plus important, tout en étant insuffisant en lui-même. On s'aperçoit bien que ce n'est pas que avec le canon qu'on peut écraser les défenses ennemies. Et les Britanniques ont utilisé euh, à l'automne 16 sur la Somme les premiers chars d'assaut, les premiers chars d'assaut français qui sont en construction, qui sont en cours de livraison, vont arriver euh, sur le front de Champagne en avril 1917. Donc, nouvelle génération de matériel. Autre évolution dans l'emploi des matériels, tout ce qui a trait à l'aéronautique. On connaît la fameuse expression de Pétain à De Rose, balayez-moi, dégagez-moi ce ciel. La question de la supériorité aérienne, de la domination aérienne. Alors c'est l'explosion de la chasse, le développement de la chasse, mais il ne faut jamais oublier, dans l'aéronautique, dans l'armée de l'air de l'époque, le rôle des observateurs. Observateurs pour le guidage des canons, pour le guidage de l'artillerie, et puis observateurs pour le renseignement. Et tout ceci connaît une croissance absolument extraordinaire à propos de la bataille de Verdun et de la bataille de la Somme et va être formalisé en fin d'année par de nouvelles directives, par de nouvelles instructions dont on va voir la mise en œuvre l'année suivante. Donc il y a un continuum en fait dans cette histoire. À Verdun et sur la Somme, on prend en compte les expériences douloureuses de 1915 et le rôle de l'artillerie évolue à la suite de Verdun et de la Somme, on prend en compte les insuffisances constatées ou les difficultés rencontrées, et l'emploi des armes évolue et de nouvelles armes apparaissent. Et puis, bien sûr, Verdun est devenu un symbole national. L'investissement politique et médiatique, on disait à l'époque de propagande, hein, le, le mot propagande n'avait pas sa connotation péjorative à l'époque, hein. euh, l'investissement public de l'ensemble de la société française autour de Verdun est immense. Le 13 septembre, le président de la République vient remettre à la ville la Légion d'honneur. Et aujourd'hui encore, quand on rentre dans le hall de l'hôtel de ville de Verdun, on a l'énorme panneau avec toutes les décorations reçues par la ville, y compris venues du plus lointain Japon, dont l'empereur, l'empereur du Japon, fait don à la ville d'un sabre d'honneur de samouraï pour mettre en valeur, pour mettre à l'honneur sa résistance. Et la notion de résistance à Verdun devient extrêmement importante dans la mémoire collective. Enfin, dernier point, euh, le coût humain de ces batailles, euh, il faut en assumer la responsabilité. Ça se traduit du côté allemand par... Le renvoi de Falkenhayn, le chef d'état-major général allemand quitte ses fonctions à la fin du mois d'août, et c'est le, le couple, le binôme euh, Hindenburg-Ludendorff qui prend la direction des armées impériales allemandes. Et puis en France, la situation difficile de Joffre, euh, en particulier face au Parlement, hein, euh, ben se dégrade encore un petit peu. Et, et en décembre euh, 1916, Joffre est à la fois élevé au maréchalat. Et se voit retirer son commandement des armées françaises, il est remplacé par Nivelle. Pourquoi Nivelle Parce que si Pétain est reconnu comme le vainqueur de Verdun dans la mémoire populaire, il ne faut pas oublier qu'il a quitté le commandement de la région de Verdun le dernier jour d'avril, pour le 1er mai. Et que de mai à décembre, c'est Nivelle qui commande à Verdun. Et que la reprise de l'offensive, la reprise d'efforts à l'automne, c'est Verdun et sous ses ordres Mangin. Et l'école de Verdun, ce qu'on va appeler l'école de Verdun, la conduite scientifique de la guerre par l'artilleur Nivelle, obtient tous ses succès en fin d'année 16, ce qui va faciliter la désignation de Nivelle comme successeur de Joffre, comme commandant en chef à ce moment-là.